part, il n'est pas parti, quoi. On a fermé le cercueil derrière moi. Et j'ai eu cette chance-là que Marie-Ange s'arrange pour que je puisse le voir. Et que voir sa figure aussi décontractée, aussi souriante, c'était lui, tel que je l'avais connu. Et il regardait vers le haut, mais très souriant. Et avec sa guitare noire, toute brillante aussi, c'était très harmonieux. Et il avait l'air tellement en paix, il partait en paix, quoi. C'est vraiment ça, l'esprit. J'ai donné ce que j'avais à donner, quoi. Je pense à toi, Pierrot, et je me dis que le grand balancier du temps a manqué d'équilibre, a manqué d'élégance, injuste et fou. Salut l'artiste. Ton merle moqueur s'est envolé là-haut, dans ta voie lactée. Messieurs, dames, est mort ce soir, un Pierrot en habit noir. Quelques nuages en retard laissent un rayon lui dire au revoir. Éclairer le sol debout, le rouge de ces milliers d'ivoires qui se couvrent. La ville très vite a souhaité mettre à l'honneur ce chanteur connu, cet artiste connu, ce Verviétois célèbre, et on lui a dédié un quai en bord de Vesdre. Hein. Il y a une stèle, disons, en souvenir de Pierre Rapsat, et ça restera toujours dans la mémoire, mais également un élément patrimonial dans la ville de Verviers. Le fait de mourir au